Eh bien, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être nombreux. Et je vais vous présenter l'association Couleurs d'Afrique, dont je suis présidente depuis 3 ans, donc pour la lutte contre l'excision des petites filles au Sénégal. Hello everybody, thank you for coming out. Today I'm going to talk to you, I'm going to be doing a demonstration, but I am the president, I've been the president for the last 3 years of a non-profit organization. Our mission is to eradicate female excision in Senegal, particularly that affecting young girls. Donc je vais vous présenter les produits. Je vous dirai après ce que l'association fait. Donc, lorsque vous nous achetez tous ces tissus et tous ces colliers, tous ces bracelets, ça nous permet de faire déjà de nous approcher des mamans qui sont des Sénégalaises qui habitent dans le nord du Sénégal et qui pratiquent encore l'excision. Donc, ça nous permet de nous approcher d'eux pour les sensibiliser. Pour arrêter cette pratique. So today I'm going to first show you some of our products. I'm also going to speak to more in depth about our non-profit organization, because every product that you purchase, the funds, the proceeds go to, as I said, helping to fight against female excision in northern Senegal. And primarily that actually helps us to be able to go into Senegal and speak with mothers who are currently still practicing female excision, so that we can help them understand the need to stop this practice. Alors, donc du coup, en nous approchant des mamans, avec ce que vous nous achetez, on fait des crédits, donc des microcrédits qui sont à taux zéro, et ça nous permet vraiment de nous rapprocher d'elles pour qu'elles puissent faire les activités qu'elles ont envie pour les aider à vivre tous les jours. Et à partir de ce moment, on tisse des liens plus proches parce qu'on se mêle de leur vie de tous les jours. Et là, on peut parler de l'excision et demander de l'aide. Okay, so how do we do that more concretely? So as I said, when you purchase our products, the funds are going directly to our association. And with that money, what we do is we create micro loans with no interest rate that are offered to these mothers in Senegal to help them start up their own business so that they can actually gain money from a business that they've created themselves. And then this way, by helping them in a very concrete way in their day-to-day lives, this allows us to create a much closer relationship, which allows us to actually even start discussing female excision and to help educate them about the negative effects of this practice. So it's very important for the association not just to come in and tell them that they're doing something that's wrong, but they actually first start helping them to create their own business, have more better lives for themselves and for their daughters, and then they can start the discussion about excision. Très bien. Donc là, je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec les wax, en dehors des robes, des hauts et tout ça. Je vais vous montrer comment on fait un petit cahier de recettes, tout simple. Donc du coup, je prends mon tissu. And so her first demonstration with the fabrics, the wax fabrics that you see here, we all know that it's very popular to make clothes with, but there's a lot of different projects. And the first one that she's going to show you is a little cooking notebook. Oui. Donc je prends mon tissu, je lui pulvérise de la colle repositionnable derrière. Donc je pulvérise la colle. Je fais attention. Donc j'en mets un tout petit peu partout. So now she's using a glue spray. Donc c'est juste repositionnable. Exactly. Sorry. It's a glue that's not going to set immediately, so she's going to be able to move around, and she'll still have some time to place the fabric exactly where she needs to. Donc là, je pose mon tissu et je prends mon petit cahier tout simple. Donc je le positionne
Et là, je le rabats. So as you et can avec see, ma petite carte, je vais maroufler. Donc, je vais retirer so as you can les see, bulles. So she folded the fabric over both sides of the notebook. And with a little plastic card, she's just smoothing it out, getting out all the wrinkles. Et après, je peux couper juste tout ce qui dépasse au fait. And then she's just going to cut all of the extra fabric around the edges. Non. Donc ça, l'avantage de la colle repositionnable, c'est qu'on peut le déplacer et le remettre. Okay, so the advantage of this type of glue is that, as you can see, if there's any mistakes or if she needs to shift the fabric around, she can. Par exemple, là, j'ai ouvert. Je regarde s'il y a encore des plis, je peux retirer et remettre encore de nouveau. For example, she didn't manage to get out all of the wrinkles with the card, so she can open it up, pull it out again, and then place it back onto the notebook. Et là, je peux découper les bouts pour pouvoir rabattre mon tissu. Donc là, je vais retourner. So now she's going to proceed cutting at the fold, so that then later on she'll be able to fold donc là, over the fabric. C'est fait. Comme il reste encore de la colle repositionnable, je peux rabattre le tissu. Okay. And as you can see, because she put the spray over the entire fabric, she doesn't need to spray it anymore. She just folds over. Donc ça. Pressing as she goes. Et après, je peux en remettre un tout petit peu. Then she just adds a little bit more at the very end pour pouvoir for the final flap. L'autre bout. Et après, c'est là que je vais prendre un produit qui s'appelle un Noddy Coat pour pouvoir en même temps coller ce qui se lève et pour pouvoir rabattre ma feuille. Okay, so now this product that she's opening up right now, which is called Noddy Coat, she uses this product, and this is the next stage. She's going to now brush it over the entire back, which will serve two purposes. The flaps that are sticking up, it'll help keep them down, and then it'll also be the glue that will keep that final page stuck to the back and cover up the back flap. Donc là, je le rabats. Et là, c'est parfait. Donc du coup, je peux encore reprendre ma petite carte pour retirer tout ce qui est bulle. And she goes back again after closing it, again with the card, to just make sure she gets out the last bubbles, air bubbles. Donc là, cette partie-là, elle est faite. Et je vais retirer l'excédent de tissu qui est sur le bord. So on the other side, she's going to remove, so you can see she's going to cut off the excess fabric. Oh, pardon, the excess fabric. Et de l'autre côté. So in order for her to create the flaps on this side. Donc je rabats et je retire ce qui dépasse. Et maintenant je peux rabattre le reste du tissu. Et je refais la même chose. And you go through the exact same process for this side. Once you've cut off that extra fabric. As you can see, if you have, for example, you see that little flap of fabric. As you go, you can just cut off whatever is unnecessary. Donc là, je retire. Et je rabats le reste. Et je refais la même chose avec l'Audi Coat. Donc un tout petit peu de colle repositionnable. And to show you again, so she's going to do one last spray of the spray the stencil glue. And then with Audi Coat, she goes and she covers the back flap, the front flap. Pareil. Et là, je rabats la page. And she folds over the page, presses it down. Donc ça. Et après, j'ai mon petit cahier qui est déjà tout prêt. Je peux retirer tout ce qui est excédent de tissu sur le bout. And then she's just cleaning off the edges of any extra excess fabric. Donc ça y est, mon petit cahier est fait. And there you go. You have a lovely little notebook. Après, si on a l'audicote, ne sert pas qu'à coller le tissu sur
la couverture du cahier, mais ça sert aussi à imperméabiliser le tissu, à l'enduire. Donc comme ça, on se retrouve avec un tissu enduit. Donc on a juste à repasser le Ducode sur la couverture. Et à la place de se retrouver avec un tissu en coton, 100% coton, on se retrouve avec un tissu enduit. Okay, and so Odicote, she doesn't only use it as a glue, but as you can see, it coats, she uses it as a coat, so that the cotton fabric becomes waterproof. Oui, donc c'est ça. Donc après, si on fait une seule couche, donc l'imperméabilisant devient juste anti-tache. Deux couches, ça commence à être brillant. À partir de trois couches, on se retrouve avec une toile cirée, complètement cirée. Okay. So if you just brush it once, you're going to prevent it from getting stained. You brush it twice, it's going to start becoming shiny. And by a third layer of Odicote, you basically have a very tight waterproof protective cover. Oui. Donc là, on peut le voir sur un projet déjà prêt. As you can see, here's the difference. Oui. Now, this one has been coated three times. So donc basically, it becomes like a hardcover book. Oui, donc ça, c'est bon. Et maintenant, je vais vous montrer comment faire les colliers, tout simplement. So now, she's going to demonstrate how to make these lovely necklaces that you see here on the table. En fait, il faut prendre le fabric booster. Oh, maybe I can go like this? No, it is this one. Oh, sorry. This one. For example, this one. Oui. Donc, au fait, le fabric booster, c'est un produit qui permet de dire sur le tissu et ça devient comme dit papier et on peut le découper et faire ce qu'on a envie. Le façonner, là, c'était un tissu très mou et en pulvérisant le fabric booster dessus, ça devient comme du papier et comme ça, je peux faire ce que je veux, tout simplement. So now she's using a product that's called Fabric Booster. And as you can see with the fabric that she's holding, once you spray it on, you're going to make a cotton cloth much more rigid. So she can actually cut it as if it were like paper, almost like cardboard paper, which also is going to prevent any fraying. Après, je peux faire ce que je veux avec en le façonnant. Et quand j'ai fini, je peux le tremper dans l'eau. Je garde la forme, mais il n'y aura plus le côté rigide du produit. Okay. So as you can see, as it is, it has become rigid. She can manipulate it, fold it however she likes, cut out the form that she needs, and then all you need to do is to then put it in water, rinse it in water, the product dissolves, and you're left with the shape that you want, but with the cotton feel. Du coup, on peut faire des colliers papillons avec n'importe quel tissu, au fait. Okay. C'est pas seulement avec celui-là. Avec n'importe quel tissu, on peut finalement découper et faire des carrés, des ronds, des triangles, ce qu'on a envie. Okay. De l'origami, tout ce qu'on veut, au fait. Ah, okay. Donc, so with this product, you can use it on literally any type of fabric in order to, so for example, she's demonstrating how to make these shapes for the necklace, but she says, for example, you could even make like origami shapes with fabric just by spraying it and turning it into a rigid support. Oui, donc du coup là je découpe plus facilement, donc je découpe et après je peux faire mes petits carrés de tissu. So for this project, as you can see, she's chosen this fabric and she's just going to take advantage of the designs that are already printed on there and she's going to cut out all of the little squares. Et à la fin, je fais mes petits carrés de tissu. Juste, je retire ça. Je fais plein de carrés de tissu comme ça. Et je prends mon aiguille. So now, after she's cut out all of the squares, she's going to take her needle and thread. Et après, je peux les enfiler. Donc là, je fais ça. Je peux prendre une grosse perle. And then she's going to start assembling, stringing the necklace together. Donc, un petit carré de tissu. So she started off with a very large bead, as you saw. Une perle. And then she took a square, another small bead. Donc, pareil. Et je continue le projet. And then you just continue as such. Big bead,
square, tiny bead, square, tiny bead, square. Donc après, vous vous retrouvez avec un collier comme ça. And this is the final result. Au fur et à mesure que vous remplissez, donc vous intercalez les petits carrés de tissu avec des perles. Et à la fin, donc vous faites un nœud coulissant. Donc vous pouvez l'ouvrir et vous pouvez le refermer. And then at the end, she uses a sliding knot to finish up the necklace. Donc c'est tout simple. Donc après ça, par contre, je vais juste expliquer comment on le fait. Je pense que ça fera plaisir à certaines personnes qui sont là. C'est juste du wax encore. On pulvérise le fabric booster dessus, ça rigidifie le tissu. On prend l'audi coat, donc on le passe, ça sert de colle. Et vous prenez un cordon, donc vous choisissez les tailles de cordon que vous voulez. Donc vous pouvez les trouver chez le roi Merlin, donc les différentes tailles de cordon. Donc vous coupez, donc au départ c'est droit. Je vous laisse parler. Oui. Oui, l'audi coat permettra de rassembler. Je vais juste essayer de montrer juste avec, supposons ça c'est le cordon. Donc là j'ai mis j'ai pulvérisé mon fabric booster pour que ça soit rigide, que ça soit comme du papier. Et après je viens avec l'audi coat, je passe dessus et après je pose mon cordon. Et après je rabats les deux bouts. Ok. Donc, clac, et après, je prends mes ciseaux, je coupe à ras. Okay. Et ce qui fait qu'on ne verra pas que c'est collé. Ah, ok. On a l'impression que c'est cousu. So, to make this beautiful necklace, same concept, we start off by using the fabric booster to make the fabric hard so that she can cut it out easily, so there will be also no fraying. Then, on the inside, each strand is actually a rope. You can choose the thickness. And then... With the fabric that you've cut out, you use the OD coat as the glue, you put the rope in the middle, you wrap it up, and then you just cut off the extra fabric. C'est tout. Et c'est tout simple, on laisse sécher. Et après, si vous voulez, avec les tissus wax, recouvrir des petits tabourets, faire des jetés de canapé ou faire des petits projets d'habits, c'est possible. Donc pour que la couleur puisse être bien fixée, la couleur des tissus, on vous conseille qu'au premier lavage, de mettre quelques gouttes de vinaigre blanc. Et comme ça, les couleurs sont bien fixées. Avant de commencer à travailler. On peut travailler, c'est juste avant de les porter, tout simplement. On peut travailler facilement avec les tissus parce que ce n'est pas très rigide, ce n'est pas très mou. Donc c'est facile à couper et à travailler. C'est juste pour le futur que la couleur puisse rester très vivante et brillante, au fait. Okay, so she was demonstrating, for example, the stool, how easy it is to turn an ordinary stool into a very, very colorful and pretty stool with these two products. You could even make use them for when you're making clothes. She does have one little astuce, a little hint for everybody. If you want to keep these vibrant colors vibrant over time, when you wash them in the first wash, throw in a couple drops of white vinegar. C'est tout. Et puis notre association aussi permet aux petites filles qui ont été très très mal excisées d'avoir une chirurgie réparatrice. Donc du coup, on travaille avec des gynécologues, l'association des gynécologues de France qui nous permettent de pouvoir parfois nous aider pour que ces interventions puissent avoir. Okay. Oui. And just a final note about their non-profit organization. So she discussed some of their work. Part of their funds as well go to working with gynecologists, French gynecologists, to... basically help or fund girls that have been actually really brutally excised to have reparative surgery. Eh bien, on vous remercie beaucoup. Thank you very much. And if you'd like, they have some information here, but their booth is also back D02. At the D02. Please don't hesitate to go see them to get more information for their cause. Thank you very much. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci.